On dirait presque sans trembler, mais c'est quand même des gros objectifs pour des chevaux comme ça. Il a tout d'un grand, ce Kadam. Oui, il a tout d'un grand. Il n'a pas trop le physique, mais il a tout d'un grand. C'est un peu d'émotion parce qu'on avait Latino Desil qui avait gagné ça brillamment et qui a malheureusement qui s'est accidenté dans un paddock. Et c'est un bon souvenir de voir un petit cheval avec un grand cœur faire ça. Chapeau Arnaud. Il a bien timé, il a préparé le cheval avec sa maestria habituelle. On sait le faire, Latino Desil, lui, n'a pas eu le temps, bien sûr, de faire sa grande carrière et n'avait pas brillé dans les groupes 1 à 4 ans. Celui-là, il a l'air d'être au-dessus de sa génération, jusqu'ici en tout cas. Il est clairement au-dessus de sa génération et puis je pense qu'il n'est pas usé et on peut avoir un cheval qui va bien vieillir. Il avait encore le bonnet aujourd'hui, c'est un cheval qui est en construction. Le week-end commence bien, c'est pas fini, demain Léon et tout ça. C'est pas fini. Et Télème. Demain Léon, tout à l'heure Télème, c'est les gros objectifs, tout ça. Les 48 heures d'obstacles, c'est 48 heures, c'est dur de tenir 48 heures. Il vaut mieux commencer comme ça. Il vaut mieux commencer comme ça, merci. Et c'est un triomphe, il est là, Richard Corveller, Kadam. Eh bien, ils changent de casaque, les dames, mais ils ne changent pas de place sur le podium. Un prix Congrès, Richard, quelle émotion, malgré tous ces champions qui se sont succédés sous ta casaque et ton élevage. Toujours la même émotion, un énorme plaisir, une grande émotion, d'autant plus que c'est avec des amis, donc Hubert Mouillon et son épouse. Et puis la complicité avec Arnaud depuis longtemps, donc voilà. Grand et bonheur. Et cette famille, quelle famille, elle n'arrête pas en ce moment. Fun dame, tout le monde, cash dame, les dames sont au top en ce moment. Bah ouais, c'est la période des dames, d'habitude c'est le printemps, mais là c'est l'automne, donc on en profite quand la forme est là. Parle-nous rapidement de cette relation avec Arnaud Chaillé-Chaillé depuis tant d'années, la voir couronner toujours au haut niveau, quel est le plaisir, l'émotion? Le plaisir d'un vrai vieux couple, hein. Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et bon, on a toujours été fidèles l'un à l'autre et ça décuple le plaisir. Voilà, que du bonheur. J'ai pas de souvenir, est-ce que c'est un premier prix Congrès ou il y a eu d'autres cracks comme ça dont on ne se souvient pas? Deuxième du Congrès, merci. Deuxième, on a déjà été deuxième, mais c'est la première fois qu'on le gagne. Et bien il y a des premières à tout. Bravo Richard, profite bien. Merci. Il l'a eu au boulot, il faut s'enseigner. Philippe Prévost-Barat, j'ai juste été privilégié. Il a été privilégié, le prix entraîneur des champions. Et tu vas nous le dire, Philippe, puisque Bertrand Le Métayer nous rappelait aussi l'émotion par rapport à cette casaque et Latino Desil, le même entourage. Il y a des airs, même si la couleur n'y est pas. Exactement, il y a des airs. C'était un grand moment d'émotion aujourd'hui parce que, bien sûr, ça nous rappelle un moment triste avec la perte de Latino. Les courses, c'est toujours... on sait à quel point ça peut être difficile et sur la piste et aussi des fois ailleurs, comme ça a été le cas au Hara quand l'accident est arrivé. Donc aujourd'hui, c'est une belle récompense pour Hubert qui soutient beaucoup les courses françaises. C'est une belle récompense pour ce qui s'est passé et puis pour cette casaque qui est fantastique. Voilà, et puis pour tous les amoureux des courses. C'est facile à dire maintenant, mais est-ce qu'il avait quelque chose d'une star, Kadam, chez toi? On échangeait déjà pas mal avec Hubert, et on peut pas, moi je suis très prudent là-dessus, c'est tellement compliqué de se projeter comme ça. Maintenant, il avait tout pour faire un chouette cheval et tout pour être là ici aujourd'hui, et ça s'est passé ainsi, mais voilà, c'était pas, on n'en parlait pas comme ça, mais on avait des espoirs. La route est longue à chaque fois, bravo Philippe. Merci beaucoup.